les lectures, les commentaires du 12e dimanche du temps ordinaire, agneau liturgique A. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Les persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'âme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez-le, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. La parole de Dieu. Seigneur, dans ton grand amour, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent. Seigneur, écoute-moi dans ta grande bonté, dans ta grande bonté. Deuxième lecture. Lecture de lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée à tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en voit pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ.
la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, dit, sans pouvoir tuer l'âme, dit le Seigneur. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendrez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais c'est lui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, c'est le dimanche, le jour de Jésus. Il est ressuscité, Jésus est vivant. Et aujourd'hui, il nous invite à être ses témoins, sans peur, sans crainte, puisque c'est lui le Seigneur. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les hommes, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité, notre Seigneur. Il y a deux choses. Ont des conséquences. Ces choses-là ont des conséquences graves. Nier Jésus-Christ, se déclarer pour Jésus-Christ. Celui qui nie sera aussi nié. Conséquence grave. Celui qui se déclare pour lui, lui aussi se déclarera pour lui. Conséquence grave. Jésus nous promet qu'il va nous présenter à son Père devant les saints anges. Si nous aussi, nous acceptons nous présenter devant les hommes pour sa cause, pour son évangile, en proclamant son nom, dire à une personne, Jésus t'aime, Jésus est vivant. Ne crains pas. Jésus va t'aider. Jésus t'aidera
Oui, il faut invoquer son nom. Tu verras des miracles. Puisque Jésus est tout-puissant, il est vivant, le Fils du Père. Mais si nous regardons dans la vie, dans la vie quotidienne, on voit comment nous renions Jésus-Christ par peur, par respect des hommes. Nous le payerons. Nous avons l'Esprit Saint puisque nous l'avons reçu. C'est notre force. Il nous aide. Il nous anime pour être témoin de Jésus devant le monde obscur, le monde qui refuse Jésus, qui renie Jésus. Qui ne veut pas qu'on lui parle de Jésus, Jésus crucifié, mort et ressuscité. Le monde préfère qu'on lui parle de Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui ne vient pas pour nous aider, pour nous, dans nos choses. Ce Dieu, si nous pouvons dire ainsi, indifférent ou qui est loin. Mais quand on parle de Jésus, c'est Dieu avec nous. Et le Verbe se fit chair et habita parmi nous. Ce Dieu qui est avec nous dérange les hommes. C'est pourquoi, quand tu commences à parler de Jésus, les gens n'ont. Ça ne les intéresse pas. Non. Nous qui avons reçu la mission par le pouvoir de l'Esprit Saint, la mission de parler de Jésus au monde, il faut le faire. Puisqu'il n'y a pas autre, il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu Tout-Puissant. A donné aux hommes, c'est le nom de Jésus, c'est son Fils Jésus-Christ. Il faut donc le proclamer. Qu'est-ce que tu veux choisir? Nier Jésus-Christ pour être nié ou être témoin de Jésus-Christ pour que lui aussi te reçoive dans ce royaume? Qu'est-ce que tu choisis? Il faut vraiment choisir Jésus. C'est ce que je te conseille. Et tu vivras, puisque Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il va te donner la victoire sur les démons, sur les maladies. Il va te donner la force pour vaincre les tentations. Il va te sanctifier par l'action de son Esprit Saint. Que par la prière de Marie, la Sainte Vierge, la Mère de Jésus, et l'Esprit Saint nous remplisse de Jésus pour être vraiment ses témoins. Oui. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Remplis-nous de force, au nom de Jésus, pour être des témoins de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'aux confins de la terre. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Par la prière de Sainte Marie, de Saint Joseph, des saints apôtres, des saints anges, de tous les saints. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Remplis-nous de force. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.